Je suis agriculteur sur la commune de Valcivière, où je vis avec ma famille depuis le début des années 2000. Alors en fait, je suis né à Clermont-Ferrand, mais je venais très fréquemment sur la commune de Valcivière puisque j'avais de la famille, notamment mes grands-parents. Ce qui m'a vraiment motivé pour venir m'installer ici, c'est que moi, je connaissais très bien le milieu urbain, mais j'avais besoin de plus d'espace, j'aimais bien travailler dehors. Donc voilà, c'était la motivation principale. Après, le territoire est magnifique et c'est vrai que je suis tombé amoureux du paysage aussi. Et puis très rapidement, j'ai rencontré beaucoup de gens par différentes associations, activités culturelles, sportives ou de vie locale. Et à partir de ce moment-là, la population ici m'a entièrement satisfaite. Enfin, j'ai trouvé un plein équilibre, quoi. C'est un territoire qui de premier abord peut apparaître dur, aussi bien sur le plan du relief que du climat. Mais par contre, il n'y a pas de surprise. Quand on arrive dans le Forez, sur Valcivière, il y a de la neige régulièrement l'hiver. Et voilà, quand on le sait, ben, c'est pas un problème. Un territoire, il faut du temps pour le découvrir, il faut du temps pour le connaître et il faut du temps pour pouvoir et savoir le respecter. À partir du moment où on a une activité, c'est clair qu'on intervient dans l'image qui est donnée du territoire. Et c'est vrai que, alors personnellement, en produisant de la fourme fermière à Valcivière, donc qui est un fromage produit hors de l'appellation d'origine protégée, je défends une idée du territoire, je défends une idée de la diversité, de la diversité des produits qui permet à chacun de trouver sa place. Je pense que c'est un territoire qui a toutes ses chances aujourd'hui. Il a toutes les caractéristiques d'un endroit où des choses peuvent se développer puisqu'elles n'existent pas. Tout est à faire, tout est à créer, mais en même temps c'est pour ça que c'est bien, quoi.